Ok, salut tout le monde, salut tout le monde. Nouvelle saison de Fortnite Battle Royale Epic Games, saison 5, chapitre 2. Alors, on va voir ce qu'ils nous ont concocté de beau. Fortnite qui est là. On va peut-être avoir une petite intro, une petite histoire. Hein, on sait jamais. Ça serait plutôt intéressant d'avoir une histoire, de savoir ce qui se trame. Alors, tous ceux qui ont vu l'événement d'hier soir, ben voilà, vous l'avez vu. Ici, on reconnaît un casque de Star Wars. On va y aller, direct, on va pas perdre de temps. On y go. Allez, Fortnite. En espérant, je vais être terre. Ah, ils l'ont fait. On est en vie. Ouais, mais le point zéro est exposé. Vous devez y entrer. Allez. Oh mon Dieu. Moi qui espérais ne plus voir d'image de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. Quoi ? La situation doit se faire de l'intérieur. Bien compris, madame. Je m'y mets. Et surtout, n'attirez pas l'attention des sept. John, c'est ça ? Donc, je dois stabiliser le zéro et refermer le pont sans que personne ne s'en échappe. Facile. Ok. Repérez les meilleurs chasseurs dans chaque réalité. Signature triangulée et alignée. Exécuté. Ça a intérêt à fonctionner. J'empêcherai quiconque de s'échapper de la boucle, croyez-moi. J'ai réuni les plus grands chasseurs à travers toutes les réalités. À commencer par le meilleur. Convaincre Mando m'a coûté un tas de crédits, mais telle est la voie. Le plan, semer le chaos. Et je compte bien sur eux pour y arriver. Menace, le plus fort de tous les gladiateurs. Personne ne l'a jamais vaincu. Gatome, une crête prête à mettre la main à la pâte. Et Maeve, elle c'est juste une guerrière barbare métamorphe. En explorant l'île, ils auront des comptes à régler et des contrats à remplir. Le temps qu'on se prépare pour la prochaine phase. Et tout ça n'est que le début. Tilt Towers ! Qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez la chasse. Oh! Retour, c'est bon, pas direct. Ok, donc, bon, il y a le pass de combat évidemment avec le code créateur Togma sur la réalité. Ouais, faut montrer de la joie et de l'engouement. Bref, je vais acheter le pass de combat, on va le découvrir en 2 secondes ensemble. Je vais donner un créateur Togma. -YT. Alors, on a le Mandalorian. Tiens donc. Ça sent le petit partenariat. Non, je sais pas. Bon, après, tant qu'on a une histoire, il peut y avoir un partenariat, mais avec une histoire, c'est cool. Alors, on va le faire vite fait. Yes, yes. Qu'est-ce qui se trame? On va voir les skins. Vas-y, le skin. Ok. Super, magnifique. Trop bien, trop cool. Yes, ouais, super. Un autre skin. Qui ressemble à l'autre, c'est cool. En vrai, il est pas mal. Il est plutôt joli, hein. Il est plutôt joli. Ouais, c'est réussi, disons-le. On a le même que l'autre, mais avec une moustache. C'est bien, ils se font pas chier, au moins c'est clair. Costaud la Maeve. Très bien, Maeve. Super. D'accord. Eh, mais bon, les gars, mais ils sortent. C'est des améliorations, en fait. Y'a rien qui change. Ils se foutent de la gueule. Du monde, là. Vas-y, 10€ pour juste avoir un bandeau en plus, là. Il est stylé, lui. Ouais, ça va, il est pas mal, hein. En fait, je joue jamais avec les skins du pass de combat. Je sais même pas pourquoi je l'achète. Elle est cool. C'est une très bonne idée, ça. Bravo, Epic Games. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers pour le même personnage. Epic Games, quand même. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. En gros, le premier skin, quoi. Donc, franchement, ce pass de combat, franchement, un peu du foutage de gueule. Saison 5, on est content, hein. Regardez ça. La joie, code créateur, Togma, YT. Bon, très bien, qu'est-ce qu'il y a dans le pass de combat?
Afficher les niveaux, ok, on sent Kagelof. Allez, go jouer. Attendez, stop. Je vais jouer avec le nouveau skin pour vous donner envie de l'acheter avec mon code créateur TOGMARCHERYT. Bah, je suis lourd. Comme tout le monde. Ok. Attends, le joueur, 1 minute 30. Quoi? Mais quoi? C'était tolérable. Bah, écoutez, c'est l'ancien lobby. C'est le lobby de la première map, hein. On reconnaît tous, voilà, la plateforme là-bas, très bien. Ah, ils ont mis des nouveaux pings qu'on voit un peu mieux. Ah, bonne idée, Epic Games, bonne idée, on voyait que dalle avec vos pings. Oh, il y a un désert au milieu. Incroyable. Bon, du coup, ce qu'on attend, c'est fin des armes de merde, la cheaté, les pouvoirs, les armes surpuissantes et tout. Où il y a deux joueurs qui gagnent et qui dominent toute la game. Ça, stop. Le mode sensu, bordel. Sinon, il n'y a pas de fun, il y a beaucoup de monde là. On va aller là. Yes, c'est bien ça. Est-ce que c'est creux ici? Ouais, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On peut le casser ça? Dis-moi qu'on peut le casser. Eh merde. Hanche, la tempête se formera dans 49 secondes. Bon, on peut pas rentrer par là? Mais comment on fait du coup? Ouais, salut toi! Coucou! Non, mais. Attends, foot! Bâtard! Vas-y, c'est de la merde cette saison! Ok, attends, je m'entends en retour, ta gueule! Ta gueule moi-même! Ouais, j'avais pas pensé, avec le clavier et tout, ça allait faire carnage. Avec le micro, le bon micro. Entends-toi avec le bon micro. Même une mouche volée, hein, pour vous dire. On va retourner là-bas, on va se venger, Vendetta, il y avait quoi ici avant? Il y avait rien, donc, écoutez, tant mieux. Qu'est-ce que... Bon, on va tester, hein, voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? On va essayer de pas crever pour découvrir le maximum de choses. Ça pourrait être plutôt sympa. Non, vas-y, toi. Eh, tu me butes? Je vais pas être content. Alors, y'a quoi là? Y'a un village de sauvages. Oula, j'ai dérapé en pleine vidéo. Le joueur français qui dérape. Ok, y'a quoi là? Là, y'a un pompe tactique? C'est pas vrai. Tactique? Le tactique, il est là? Alors. Dis-moi que le farm est amélioré. Non, enfin, je sais pas en fait. On verra bien. Ok, mais c'est pas mal ici là. D'accord, des poissons, il y en a toujours, hein. Il y a toujours de la poscaille. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en tout cas, ce qu'on entend. Mais lol, il y a plus d'ambiance sonore que dans The Isle et Pass of Titan réunis. C'est incroyable. Incroyable ce que fait Fortnite. Non, vraiment, l'ambiance sonore est cool de cet endroit-là, c'est sympa. Je me balade, c'est joli, hein. C'est un joli coin. On va prendre cette bonne petite aire. Et on va aller essayer de défoncer du joueur. Hein? C'est plutôt cool. Par contre, les poissons. Vraiment relou, quoi. What? Comment ça, y'a un mec qui vient de se scratch, là? Ah, ils ont remis cette PM. D'accord. Elle est très forte cette PM de mémoire. Ok. Bon, bye. Écoutez, c'est plutôt. Y'a un mec là. What? M'a tiré dessus avec quoi là? Tu fais quoi frérot? Non. Mais ouais, tu fais quoi en fait, genre? Tu vas où? Bah, pas de mode sensu, hein. Vas-y. Attendez, je crois avoir reconnu le bruit. J'ai un lingot. J'ai récupéré un lingot d'or. Je trouve bien. La richesse. Ouais, du coup, il y a la K. Retour de la K. Blé. AK-47 dans la main. What? Oh, le bâtard, il a ça. Allez, dégage, en fait. On va prendre ça, du coup. Pompe à charge, très bien. En espérant, vraiment, qu'ils aient enlevé le space et les chasseurs. Et la méta, après, c'est mon point de vue, la méta sera nickel. L'or, ça sert à quoi? J'aimerais bien savoir. Il y a toujours les bagnoles. Pas mal. En vrai, je vais la prendre, du coup. Il y a un mec là-bas, là, où je rêvais.
Oh, y'a un mec. What? Il se passe quoi? Il est où? Boug. Oh, elle est dans ta gueule, la K, mon pote. Trop bien, la K. Je suis content qu'elle retourne. Oh, il y a de l'or, il y a de l'or, yes. Ok, il joue au tactique. Il joue au tactique, le mec. What? Oh, il y a le pistolet. Ok, très bien. Ouais, je vais prendre la post-cap, peut-être. Parce que je vais prendre cher, là. Super. Bon, on avance, hein. On avance, on avance. Retour de Pépé, ça c'est cool. On va passer par le désert. Yo, t'as pris le truc, bâtard. T'as pris le camion de shield. T'es mort. T'es mort, mon pote. Queue de poisson. Queue de poisson. Eh, je vais le fumer. Attends, attends, attends moi, tu fais quoi? Bon, il va dans la gueule du loup. Ça se forme ça? Non, pas du tout. Ok. Bon, j'avance hein. Mais c'est quoi ça? T'es un bot? Oh, y'a un poisson là. Yes. Est-ce que ça s'en remet? Attends, donne. Viens là toi. On va se remettre un peu de vie. Après on va mettre le poisson bleu. Et après on va se casser hein. Yes. Allez, cassos. Y'a une petite C'est quoi ça? Salut toi. Tu veux quoi? Vas-y, j'ai pas le temps, lâche-moi. Je sais pas ce que c'est, ça on verra plus tard. Hein. Y a du monde là, là, c'est le bordel. Il se passe quoi, les gars? Les gars, il se passe quoi? Ouais, ça dégage, merci bien d'être passé. C'est quoi ça? 100% c'est des bots. Mais quoi? Mais quoi? Mais ils ont combien de vie? Mais ils ont quand même vu ces cons! C'est quoi cette merde? Attendez, oh, je les ai déchirés, oh! Ah, la musique qui est toujours trop forte, c'est cool ça! Vas-y, lâchez-moi tous! Bon! Y'a bagarre là de l'autre côté, on va y aller. Hein. T'es là en bas là, c'est sûr. Oh, il est là. T'es mort. Ouais, je t'avais dit que t'étais mort. 37 de dégâts, ça fait beaucoup quand même. Surtout qu'elle tourne, elle tire vite. Hein. Elle tire super vite quoi, c'est abusé. Hein. Oh, y'a la P90. Yes, j'ai encore de l'or. Eh, on est bien là. Hein. P90, on a de l'or, on a. What? Tu veux quoi? Allez, ça dégage toi aussi. Mais tire pas sur les gens si t'as pas de vie en fait, tu veux quoi gros? T'es malade. T'es un fou dans ta vie toi. Hus! Paf! Pro Gamers! Ouais, t'avais vraiment pas stuff hein. D'accord, allez, bon bah on avance hein. Mini shield, ouais, plein d'or, des plein d'or les gars, des plein d'or. Y'a quoi là? Y'a un drop là, mais bon. C'est quoi ça? Mais ça meurt jamais! Voilà, je sais pas ce que c'est mais ça crève en tout cas, voilà, ça dégage. Franchement le pompe à charge, je suis vraiment content qu'il revienne parce que j'aimais bien ce pompe. Parce que je trouve que c'est un pompe qui est ce qu'il est en comparaison aux autres pompes. Et bah, si tu mets une grosse balle de pompe à charge, tu l'as mérité. Tu l'as mérité ta grosse balle. Ça veut dire que tu as fait tout pour mettre une grosse balle. Si tu mets une grosse balle de space, tu l'as pas forcément mérité. Hein. Donc vraiment, s'ils peuvent
définitivement virer ce space du jeu, ça pourrait être très bien. Bon, on n'a pas vu tout ce qu'il y avait, hein, évidemment. Dans tous les cas, faire un test exhaustif de Fortnite, c'est compliqué. On rattrape toujours des choses, vous voyez, il y a des PNJ, il y a des machins, il y a des trucs qu'on n'a pas pu voir, hein, simplement. Mais écoutez, bah c'est cool, hein, en gros, il y a une nouvelle map. C'est sympa, ça fait toujours plaisir de la nouveauté, on va pas cracher sur les nouveautés. A voir s'il y a des armes légendaires et tout, ça franchement, pfiou. En vrai, ce serait cool que ça s'arrête. Hein. Oh, il y a des drops qui me tombent partout sur moi. C'est cool que ça s'arrête, mais voilà. Je pense qu'il va une... Oh, il y a un mec là. Et toi, t'es mort, mon pote. Il est où le con? Allez, laisse-le, tiens, dessus. Pourquoi contre moi tu mets des murs et contre lui là-bas tu mets pas de mur? C'est grave ça. Yes, 24. Dans ta bouche. Ok, il reste deux players. On va pouvoir peut-être faire un top 1, hein, c'est cool. Bon, on va y aller, hein. Bon. Ouais, j'ai déchiré lui. Ah, le bon. J'avais zappé ça, mon pote. Il a fait comment pour arriver là aussi vite lui? What? Lâchez-moi! C'est moi qui suis en haut! Ah, moi le high ground! Là, je vais en zone aussi, en passage. Démerdez-vous! Moi, je vais faire top 1. Oh t'es mort. Oh t'es mort. Oh t'es mort mon pote. T'es foutu. Mais je t'ai dit que t'étais foutu, tu veux quoi en fait? Tu veux quoi frérot? T'es foutu, t'es une merde. Non c'est sorti tout seul, désolé, désolé. Il avait quoi comme arme? Il avait de l'or, il avait de l'or, de l'or, de l'or. Non. Bon du coup d'un seul, bah écoutez, il y a plein de nouveautés, c'est cool. La carte a pas mal changé, c'est intéressant, le milieu de la map là, c'est très intéressant. Ça a concentré les joueurs ici, je pense, plutôt que tous à Stark. La dernière fois, dites-vous, j'ai fait une game à Stark. Bon, je pense que tout le monde l'a fait, mais on a fait 15 kills à Stark. Sachant qu'on n'a pas tué tout le monde, ça veut dire que toute la map allait à Stark et c'était nul. Vraiment, c'était nul, ce truc-là de Stark là. Donc beaucoup de nouveautés, pas le mode sensu, pas l'amélioration du farm. Ça, je pense qu'il faut tirer une croix dessus. Des armes légendaires, mythiques et tout ça, je sais pas pour l'instant. L'ajout des bots qui peut être pas mal, ça donne des petites missions à faire et tout dans le jeu, ça peut être assez intéressant. Bon bah écoutez, on a fait un petit top 1, on a découvert pas mal de trucs. Des trucs qui ont l'air cool, on verra bien ce que ça donne sur le long terme. Parce que là, comme ça, en jouant une demi-heure, trois quarts d'heure, on peut pas tout voir, on peut pas savoir si c'est bien ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit like, petit commentaire, petit abonnement si vous l'êtes pas. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est code créateur TOGMAR-YT. Allez, tchuss tout le monde. Aïe aïe aïe, mercantilisme quand tu nous tiens.